Eh bien, salut, comment allez-vous? Moi, je vais super bien. J'espère que la rentrée, pour ceux qui ont repris les cours, s'est bien passée. Donc, je suis ici pour vous présenter un gameplay sur le premier Battle Royale d'Ubisoft, c'est Hyperscape. Il est gratuit sur PC, PS4 et Xbox. Donc, je l'ai testé sur PC. Et franchement, en fait, c'est un Battle Royale très dynamique, très vertical et assez difficile à prendre en main. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite, puisque je vous l'explique dans le gameplay. Donc je vous dis à tout de suite pour le gameplay. Avant que je vous lance une partie, je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Alors, ce jeu, franchement, ce Battle Royale, il est très vertical. En gros, on saute tout le temps. Tu peux faire des glissades, comme vous pouvez le voir. Hop, demi-tour, comme ça, hop. Il y a trois modes. Il y a le mode escouade, c'est-à-dire en 3. Il y a le mode solo et il y a le mode faction. Faction, en fait, c'est un genre de guerre terrestre, on va dire. Parce qu'il y a énormément de choses. Alors déjà, en parlant de ça, le TTK, il est très élevé. En fait, le TTK, c'est le time to kill. C'est le temps que tu tues ton adversaire en moyenne. Et là, franchement, le niveau de vie est énorme. En gros, tu tues pas un mec en 2 secondes. Après, ça dépend. Parce que tu peux, mais en fonction des armes, tu as des armes sur la carte et tu peux les fusionner. Les fusionner, c'est-à-dire les améliorer. En gros, quand tu récupères une arme et que tu retrouves une même arme, tu peux la fusionner. Ça veut dire qu'elle va être plus puissante, elle va faire plus de dégâts, plus de munitions. Enfin voilà. Ensuite, alors, ce qu'on va faire, on va faire une partie, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, alors tu rentres là-dedans. Oh merde! Oh, il n'y a plus le mode. Comment ça s'appelle? Le mode faction. Bon, bah écoutez, on va faire squad. Alors, c'est sympa quand tu joues avec des amis, mais quand t'es tout seul, ah, c'est pas évident. A few moments later. Voilà, le principe c'est de rester avec ses coéquipiers. Donc, on voit déjà qu'il y a du monde. Oh la chouille, aïe aïe aïe. Je sens. Oh! Alors là, j'ai le pompe. J'ai pas encore d'atout. Alors j'ai un atout là. L'atout c'est invulnérable. C'est-à-dire que ça me protège pendant quelques secondes. Soyez vigilants. Le secteur commence à s'effondrer. Je suis trop loin. Je recharge. Mais bon, j'en ai bien. Ça va. Une seconde. Oh le bâtard! Oh le fumier, il m'a eu. Bien joué à lui. Alors voilà, quand t'es mort, tu retrouves un point de retour. Et le point de retour, ils sont indiqués sur la carte, les points triangles. Et en fait, tes alliés, tes mates, on va dire, ils peuvent te ranimer. Voilà, ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait l'erreur de ne pas rester avec mes mates. Allez les gars. Je veux pas être un souvenir. Ressuscitez-moi. A few minutes later. Ah si, c'est cool. Je pense qu'il y en a un qui va venir avec moi, qui va venir m'ranimer. C'est cool. Alors comme je vous l'ai dit, hein, faut vraiment avoir les armes au maximum pour vraiment faire mal. On voyait comment ça se... La zone se détruit en fait. C'est les bâtiments qui se détruisent. Oh, fils de chien! Merde! Putain, là, je croyais trop que j'allais la voir. Ah, bien joué quand même, les gars. Ils m'ont ranimé. Ils ont été cool. Ah, parce que des fois, ils peuvent te laisser en chien. Des fois, tu te dis bon, bah voilà. Des fois, tu te démerdes.
Ah, c'est pas évident, je vous dis, c'est pas évident du tout. Il faut vraiment. Bon, on va essayer de faire mieux. Je vais aller où? Voilà, ça. Ah oui, alors tu peux pinguer les armes aussi, les munitions. Les secteurs vont s'effondrer. Oh, c'est bon ça, fusionner. Le peuple va s'exprimer. Ah, fusionne à fond. Le peuple va s'exprimer. Oh, ça c'est pas pour moi. Ah, tu peux aller sur les toits, bien évidemment, mais t'es vulnérable par rapport au sniper. Voilà. Je te conseille juste de faire très attention. Il a quoi, lui? Ouais. 20 escouades sur la carte. Du butin! Le peuple va s'exprimer maintenant. Ah, je suis au max. Vous voyez, mon arme, l'éventreur à droite, je suis au max. Donc elle fait extrêmement mal. Ils sont où? Alors je vais essayer de rester avec eux. Attention, les secteurs vont bientôt s'effondrer. Là, une arme. Là, une arme. C'est pour moi. Là, une arme. Le peuple va s'exprimer. Un combat? C'est bon. Prudence, participants. Un secteur s'est effondré. Au max. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Attends. Aïe 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 aïe, je sens que je vais faire mal là. Pff, je sens que je vais me faire défoncer. C'est parfait ça. Ah, j'aime bien quand ça se passe comme ça. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Sous les autres. Il reste 10 escouades. Bien sérieux. Pour charger. Bon, je les ai déjà tous au max. Putain, j'ai une connexion de merde, fais chier. T'es sous. Bisous. Five minutes later. Soyez vigilants, participants. Sous. Le secteur commence à s'effondrer. Je veux rigoler aussi. You. Comment ils m'ont déplumé? Merde! Non! Oh les enculés! Fais chier! Oh le bâtard! Putain, j'étais chaud, j'étais bien là! Merde! Il ne reste que 3 escouades, 7 heures vont s'effondrer. Ah, bah.
Bah, la fin, c'est horrible. La fin, c'est... Oh là 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 là. J'ai pas compris, en plus. Putain, merde. Putain, j'ai fait le con, là. Bon, allez, on va se faire une dernière. S'effondrer. Oh, les connexions, oh, putain. Oh, c'est génial. Ouais, on va l'échanger avec ça. Ça c'est pour moi. Sniper, fusionné. Un secteur s'est effondré. Kit de soins prend fin. Il y a des tocards sur la carte. Un combat ? Je veux rigoler aussi. Attention, prenez garde aux secteurs effondrés. Oh, t'es sérieux ? Non ! Mais merde, putain, tout ce que je lui ai mis dans la gueule en plus à cet enculé. Attention, s'effondrer. Je veux pas être un souvenir. Ressuscitez-moi. Oh bon, on est mal. Un combat ? Oh, on est mal, on est mort, on est mort, on est mort. Oh putain. Casse-toi, enculé. Je suis trop loin. Bon, on va mourir, non. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout ça. Putain, tout ce que je lui avais mis dans la gueule, l'autre là! Merde! Je... Ah. Ennemi en vue. Putain de merde. Ah voilà, les mecs ils vont t'attendre au point. Ah, vas-y, vas-y. 5 escouades encore présentes. Oh là 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 là, c'est trop trop dur! Oh les enfoirés! Donc voilà, j'ai oublié aussi de vous expliquer que dans ce Battle Royale, il n'y a pas de SBMM, c'est-à-dire le matchmaking. En gros, tu tombes sur des joueurs qui ont tous les niveaux. Parce que quand tu as le SBMM, tu tombes sur des joueurs qui ont le même niveau à peu près que toi. Donc voilà, donc c'est assez compliqué. Surtout quand tu tombes sur un mec qui est niveau déjà 100, tu te fais défoncer. Enfin bref. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et à me dire dans les commentaires si vous voulez essayer de faire une partie avec moi. Je le répète, il est gratuit sur PC, PS4 et Xbox. Sinon, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !